Nous allons voir comment vous pouvez imprimer sans marge sur Word, le logiciel de traitement de texte de Microsoft. Comme vous pouvez voir sur mon document, j'ai des marges à droite, à gauche, en haut. Et pour pouvoir modifier ces marges avant l'impression, vous allez dans le 6e onglet Mise en page, puis juste ici dans le panneau Mise en page, vous avez les marges, vous cliquez dessus, et dans le menu déroulant, vous allez sur Marge personnalisée. Pour pouvoir imprimer sans marge, vous allez mettre à 0 toutes les marges, haute, gauche, basse, droite, et vous cliquez sur OK. À ce moment-là, le logiciel va vous expliquer que vous allez au-delà de la zone imprimable, c'est-à-dire que votre imprimante a une limite physique qui ne lui permet pas d'imprimer au maximum des bords de votre document. Donc il y a une zone imprimable qui intègre des petites marges pour répondre aux limites physiques de votre imprimante. Donc, si vous cliquez sur corriger puis que vous faites OK, ça va ajuster votre document pour supprimer quasi totalement vos marges mais en gardant une marge d'impression. N'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.